Chers amis, nous sommes le jeudi 22 avril et je voudrais me réjouir avec vous du fait que nous ayons connu une sorte de sursaut collectif, nous engageant à nous dire qu'il n'était pas possible de laisser plus longtemps sans aucune relation les personnes âgées qui se trouvent aujourd'hui soit à domicile, soit dans des EHPAD, et me réjouir du fait que cette prise de conscience collective soit appuyée aussi sur les témoignages de ceux et celles qui travaillent dans ces structures d'accueil qu'on a coutume d'appeler les EHPAD. Pour dire cette bénédiction, je voudrais m'appuyer sur un petit texte issu de ce livre, Vieillir sans devenir vieux, qui s'intitule Et bénis ceux qui adoucissent nos jours. Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma main tremblante. Bénis ceux qui savent qu'aujourd'hui mes oreilles vont peiner à entendre. Bénis ceux qui paraissent accepter ma vue basse et mon esprit ralenti. Bénis ceux qui détournent les yeux s'il m'arrive de renverser mon café le matin. Bénis ceux qui ne disent jamais, c'est la seconde fois de la journée que vous racontez cette histoire. Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer les jours heureux d'autrefois. Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté et non pas abandonné. Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus comment trouver la force de porter ma croix. Bénis ceux qui adoucissent par leur amour les jours qui me restent à vivre en ce dernier voyage vers la maison du Père. Voilà, chers amis. Après la lecture de ce texte, je vous confie une petite vidéo recueillie sur une chaîne de télévision qui, sans tomber dans le pathos, nous dit quand même cette attention à travers l'émotion exprimée par une personne qui se sent abandonnée et qui, heureusement, aujourd'hui voit une ouverture. Jeanne a 96 ans. Depuis le début du confinement, elle ne mange presque plus. Malgré toute la bienveillance des soignants. Je ne peux même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps. Discuter un petit peu. Vous mangez plus ? Ben, je force parce que mes enfants, ils rouspètent. Je me force. À manger ? Mais oui. Parce qu'ils me disent, maman, tiens le coup jusqu'au bout. Elle voyait son mari, ses enfants, très, très régulièrement. Et là, aujourd'hui, son mari, c'est quand même un pilier qui lui manque énormément. Les enfants, ils venaient tous les jours. C'était l'un, c'était l'autre.